Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le premier top 10 de fin de saison de l'année cycliste 2023. On va revenir sur les meilleurs coureurs français de la saison, le top 10 des meilleurs coureurs français. Alors, comme l'année dernière, il y aura le top 10, mais il y aura également les mentions honorables dans ce cas-là, ou les mentions déshonorables, c'est-à-dire des coureurs qui n'ont pas pu faire partie de ce classement, mais que j'ai rajouté quand même, dont je voulais parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, si vous trouvez que tel ou tel coureur ne méritait pas sa place dans ce classement. TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment le biathlon. Vous avez également PS2.0 sur la plateforme de podcast. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on débute tout de suite par la saison des Bleus, alors qui a été un petit peu moins bonne que l'année dernière, parce que c'est vrai que sur certaines courses, on a un peu souffert, il faut bien le dire. Mais c'est quand même, quand on a connu la période 2003, je dirais 2010, qui était quand même pas la meilleure période du côté du cyclisme français, ça reste encore de très bonnes factures. Beaucoup de nations, je pense notamment à l'Italie, voudraient avoir nos résultats sur l'année, notamment sur les grands tours avec du Thibaut Pinot, avec du David Gaudu, du Guillaume Martin, Christophe Laporte bien entendu sur les classiques avec Valentin Madouas. Et puis il y a des coureurs qui ont tenu leur rang, il y a des coureurs qui ont été par contre un peu plus en difficulté cette année. C'est ce qu'on va voir tout de suite et on commence par le 10e de ce classement. Eh bien, le 10e de ce classement, c'était déjà le 10e l'année dernière. C'est Mathieu Burgaudeau, le coureur de la Total Energy, qui a encore fait une année très solide, même si le début de saison n'avait pas été aussi concluant, je dirais, qu'en 2022. La dernière partie de saison a été excellente à partir du Dauphiné. Il a vraiment été bon. Il a fait un excellent Tour de France, notamment sur ses échappées. Je pense à l'étape de Saint-Gervais-Mont-Blanc, où il prend la troisième place, à Belleville en Beaujolais deuxième. C'est vrai qu'il a trois top 10 quand même sur ce Tour de France. Septième du classement des jeunes, alors que ce n'est pas forcément son objectif. Deuxième également de la Bretagne Classique, dixième de la Copa Sabatini cette année, deuxième de l'étape de Nantua sur le Critérium du Dauphiné après une échappée de 107 km. On l'a vu également sur le Tour du Pays-Bas, sixième du Grand Prix du Morbihan dans ses résultats. Il a fait également le Tour des Alpes-Maritimes et du Var avec la cinquième place du classement de la montagne. C'est un coureur intéressant, même si encore une fois, son début de saison, c'est vrai que son mois de février et son mois de mars avaient été peut-être un peu plus compliqués que l'année dernière. Il a pris du galon au fur et à mesure de l'année. Le Tour de France, je pense, a débloqué quelque chose mentalement. Lui a fait comprendre qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs. Je pense que pendant quelques temps, Mathieu Burgaudeau avait encore un syndrome, je dirais, où il ne se sentait pas forcément à l'aise avec ce statut de leader. Et puis, il pensait surtout qu'il n'était pas en capacité de rivaliser avec des très bons coureurs, avec des Wout Poels, par exemple, ou avec des top coureurs comme il l'a fait sur les échappées du dernier Tour de France. Et c'est ce qui change la donne maintenant pour Mathieu Burgaudeau, c'est qu'il sait qu'il peut rivaliser avec les meilleurs, parce que il est battu que par Wout Poels et Van Aert sur le dernier sur l'étape de Saint-Gervais-Mont-Blanc. C'est-à-dire qu'il bat un mec comme Landa, il bat Pinot, il bat Skelmose, il bat Dylan Teuns, il bat Hugo Hull. Il bat Ciccone aussi ce jour-là, alors qu'il faisait également le classement de la montagne. Mais il a fait quand même une très grande course ce jour-là, et il a fait une très grande année, Mathieu Burgaudeau. C'est vrai que si on compare toujours le classement des points Pro Cycling Stats, eh bien l'année dernière, il était 149e au classement, il est désormais 119e, donc il y a un progrès du côté de Mathieu Burgaudeau, et ça commence à devenir un coureur important en France, et surtout, ça commence à devenir peut-être
le leader du côté de la Total, avec un Peter Sagan sur le départ, une équipe qui a été un petit peu remaniée. On a revu un petit peu aussi l'effectif à la baisse. C'est vrai qu'on n'a pas renouvelé certains coureurs, je pense à Jérémy Lecro. Et du côté de Mathieu Burgaudeau, il va falloir confirmer. Désormais, c'est sûr qu'on va compter sur lui. Ça va être maintenant un élément important de cette structure. Lui qui est un pur produit du Vendée-U depuis 2017, qui a rejoint l'équipe Direct Energy en 2019. C'est maintenant cette année, il va falloir montrer ce qu'il est en capacité de faire pour progresser dans la hiérarchie. Mais il a fait vraiment une très belle saison pour son troisième Tour de France. On sent que voilà, il a passé un cap pendant l'été et ça va faire du bien à son moral. 18e également du dernier Tour d'Allemagne qui était assez relevé, en sachant qu'il finit 70e du prologue, donc il perd beaucoup de temps sur le prologue. Donc voilà, c'est un coureur qui a vraiment progressé cette saison et on espère, surtout du côté de Mathieu Burgaudeau, que ça va confirmer l'année prochaine. Sur des plus grosses courses, c'est vrai, sur les classiques ardennaises, c'est un profil où il peut être performant. Pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape sur le prochain Tour de France. Il y aura des étapes qui peuvent lui convenir. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Mathieu Burgaudeau, parce que c'est un coureur qui est très sympathique. Et puis, il n'a que 25 ans, Mathieu Burgaudeau. Donc, c'est encore un coureur qui va progresser à l'avenir, qui va franchir encore des paliers. Il n'est pas encore au maximum de sa carrière, normalement. À cet âge-là, il va encore pas mal progresser. Tout de suite, nouveau coureur. On va parler maintenant d'un sprinter dans ce classement, d'un sprinter qui a remporté sa première victoire en World Tour cette saison. C'est Brian Coquard. Et oui, le petit sprinter passé par l'équipe Rockcar, par BNB Hotel, qui depuis l'année dernière est chez Cofidis, et qui a remporté sa première étape sur une épreuve World Tour. C'était du côté du Down Under. Ça faisait quand même depuis 10 ans qu'il essayait de chercher ce très bon résultat. Sa saison, là aussi, est assez intéressante, avec notamment une quatrième place sur le Tour de Vendée, deuxième place sur le contre-la-montre par équipe mixte lors des championnats du monde. Il a également enchaîné les top 10 sur le dernier Tour de France, troisième du classement par points de cette course, troisième de l'étape numéro 7 du Tour de Suisse. Il a également remporté la première étape et la troisième étape du Région Pays de la Loire Tour, deuxième de l'étape 4 et de l'étape 6 du Tour de Catalogne, derrière Caden Groves, donc quelqu'un qui a quand même surperformé cette année, cinquième de la route à Delhi de Vitré, et donc vainqueur de l'étape numéro 4 du côté de Vilunga Township, du côté du Tour de Nander. C'est une belle saison de la part de Brian Coquard, à 31 ans même. Le sprinter a réalisé peut-être l'une de ses saisons les plus abouties dans sa carrière au niveau des points Pro Cycling Stats. Il faut revenir à 2016 pour avoir une saison où il avait marqué plus de points. 2016, c'était vraiment une grande année pour lui. C'est vrai que sa période BNB Hotel avait vraiment pas été excellente, il faut bien le dire, et c'est vrai qu'on avait des doutes sur sa capacité à rebondir, sur cette capacité de la part de Brian Coquard à faire vraiment un très bon résultat dans sa carrière, à aller chercher les gros top 10. C'est vrai qu'on se disait à un moment, Brian Coquard, c'est un bon sprinter, mais le fait que ça soit un poids léger, ça ne l'aide pas au niveau puissance. Et puis son arrivée chez Cofidis lui a donné énormément de confiance en lui l'année dernière, avec notamment des résultats avec face à Mats Pedersen, il faut quand même le rappeler aussi. Dommage, son Tour de France l'année dernière, auquel il ne peut pas participer, ce qui fait qu'il se rattrape sur la Volta, mais c'était quand même un petit peu compliqué pour lui parce que ce n'était pas totalement prévu en début de saison. Cette année, il a pu faire le Tour de France. Alors, c'est vrai que son Tour de France a été compliqué. Il faut bien le dire du côté de Brian Coquard. Certes, bon, il fait troisième du classement du meilleur sprinter, enfin du maillot vert, ce qui n'est pas catastrophique de côté de Brian Coquard. Mais c'est vrai que du côté de Brian, on peut se dire que le fait qu'il y ait eu
pas mal d'équipiers qui soit parti assez vite dans ce Tour de France lui a nuit à partir de la deuxième semaine de course. Il se retrouvait à avoir un mec pour l'aider, parfois deux grand maximum. Sur un Tour de France, c'est pas suffisant. Donc c'est vrai que par rapport à un Jasper Philipsen, il n'a pas pu vraiment le concurrencer. Et c'est vrai que le fait également qu'il y a deux étapes, il ne soit pas arrivé au sprint en troisième semaine, l'étape de Poligny et l'étape de Bourg-en-Bresse, c'est un petit peu dommageable également pour lui. Parce que c'est des étapes où il aurait pu, pourquoi pas, se montrer avec un peu moins d'adversité du côté des sprinteurs. Mais on peut saluer quand même deux quatrièmes places, notamment sur le sprint du circuit de Nogaro, qui était quand même un sprint très particulier et vraiment pas évident. Et quatrième également à Moulin, dans le sprint où Jasper Philipsen s'était extrêmement bien débrouillé tout seul. Et l'année, en plus, en dehors de ce Tour de France, elle est vraiment très bonne. Il fait un très gros mois d'avril, enfin de jusqu'à avril, c'est vraiment excellent de la part de Brian Cocard jusqu'à ce région Pays de la Loire Tour où il a enchaîné vraiment les très bons résultats. C'est quand même un coureur qui cette année est à 3 victoires sur la saison, ce qui lui était pas arrivé depuis longtemps. Ces 3 victoires, et puis même voilà ce résultat de deuxième place au championnat du monde de relais mixte, ça veut dire également que Thomas Vauclair lui a fait confiance sur un parcours qui était très technique où il a vraiment tout donné pour l'équipe. Et puis en plus, bon, ça reste un coureur très sympathique également en interview. C'est vrai qu'il me fait un peu penser à Thomas Vauclair parce que c'est deux coureurs qui se sont connus chez Europcar. Et je dirais que dans la manière de communiquer, il y a un peu des paramètres similaires, je dirais, entre les deux. Et c'est vrai que quand il va voir Stéphane Kuhn qui dit une fois, pour, je voulais te dire, une fois dans ma vie, j'ai battu Stéphane Kuhn sur un contre-la-montre. C'est vrai que cette séquence-là était assez drôle. Mais pour moi, voilà, il mérite cette 9e place. C'est vrai qu'il manque encore cette victoire sur un grand tour, pour moi, pour le faire progresser dans ce classement. Mais je trouve que voilà, il a fait des très bonnes choses. L'année dernière, il était 9e aussi. J'ai pas changé sa position par rapport à 2022. Donc comme Mathieu Burgodeau, voilà, c'est des coureurs qui ont su garder leur standing, garder leur classement sur cette année 2023. On passe tout de suite à la 8e place du classement. Le 8e dans ce classement, qui va peut-être te surprendre pour certains, j'ai décidé de mettre un coureur d'AG2R, ils ne sont pas nombreux dans ce classement, l'équipe qui change même de nom, qui va s'appeler Decathlon AG2R, la Mondiale Team, un nom un petit peu à rallonge, on perd le co-sponsor Citroën, mais on récupère Decathlon. On se souvient qu'à une époque, Decathlon, dans le début des années 2000, était déjà partenaire de l'équipe, c'est Dorian Godon. Le 8e de ce classement, coureur de 27 ans qui a vraiment franchi un cap cette année avec 2 victoires, 2 très belles victoires. La Flèche Brabançonne, le Giro del Veneto. Et le Giro del Veneto, il l'a gagné en costaud. En fin de saison, il a vraiment fait un sprint où il a fait une attaque hyper tranchante. La Flèche Brabançonne, c'est également une belle, très belle semi-classique belge qui fait, je dirais, la liaison entre les classiques flandriennes et les classiques ardennaises. Dommage son abandon sur l'Amstel, parce qu'on ne sait pas ce qu'il aurait été en capacité de faire sur cette étape, parce que pour moi, il était vraiment en très bonne condition physique. Alors, il n'a pas fait le Tour de France, mais il a fait la Vuelta, où il a pris part à 3 échappées, notamment avec une 9e place du côté de la Laguna, Negra lors de l'étape numéro 11 et une saison rondement menée. Alors oui, 2021 avait été un peu meilleur avec notamment des victoires en France, mais au niveau international, il a vraiment passé un cap. C'est ça qui fait la différence. Et oui, en 2021, bon, il avait fait une belle saison, mais principalement sur des courses françaises. C'était des résultats notamment sur le Tour du Limousin, notamment sur Paris-Camembert, sur le Tour du Doubs. C'était pas sur des courses internationales. Ce qui change en 2023,
par rapport à cette saison 2021, c'est que là, les résultats, il les a obtenus sur des grandes courses internationales. Le Giro del Veneto, c'est une belle semi-classique italienne. On sait qu'il y a toujours de la densité sur ces semi-classiques italiennes. C'est le cas également la Flèche Brabançonne. C'est une classique vraiment de très très grande qualité avec une très bonne liste de départ. Il ne gagne quand même pas derrière des branquignoles quoi, derrière lui. Hein. On est quand même Benelli, qui est quand même l'une des révélations de l'année 2023. Cosnefroid, Cavagna, Zinglé. Vous avez Camp, vous avez Deli. Également Bajoli, et il fait un sacré numéro avec Benelli. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée de suivre Benelli ce jour-là, et qui était en plus sur une période où derrière il a enchaîné. C'est l'un des rares à avoir battu Benelli, même sur la saison et sur une classique, une semi-classique belge qui est vraiment pas simple. Cette course, et c'est vrai que par rapport à un Benoît Cosnefroy qui a été peut-être un peu plus en difficulté sur cette saison avec un peu moins de grands résultats du côté de Benoît Cosnefroy, eh bien l'homme des classiques pour AG2R pour moi, ça a été Dorian Godon, et puis derrière, bon bah c'est sûr que c'est un profil de coureur qui est assez atypique, hein, Dorian Godon, c'est vrai que c'est un très grand coureur, 1m90, 73 kg, donc c'est pour pas un poids léger, donc c'est vrai que c'est un profil vraiment de coureur pour l'Amstel. Et sur les pavés, ça doit être pas mal également, Dorian Godon, il y a peut-être un truc à travailler là-dessus. Parce que quand tu vois sa performance sur la Flèche Brabançonne, sur des courses, sur certaines semi-classiques belges, on peut vous penser à Kuurne par exemple, où il y a un peu moins de pavés, ça peut peut-être également le faire. Mais c'est vrai qu'à 27 ans, moi je ne l'avais jamais vu à ce niveau-là de performance sur les courses internationales, et ça fait plaisir de voir aussi que bah, tout le monde n'est pas Remco Evenepoel, c'est-à-dire que tout le monde n'arrive pas à maturité forcément très jeune, qu'on peut avoir des carrières où parfois on a aussi des moments de stagnation, parce que Dorian Godon avait eu des très bons résultats, encore une fois, à son arrivée chez AG2R, mais ensuite il avait peut-être un petit peu stagné, et ça montre que parfois, bah, on a le cas Geoffrey Bouchard, qu'on a des performances et des coureurs qui arrivent à maturité sur le tard. Je peux penser également à Simon Kerr, hein, aussi, du côté de EF. Ou même un Nelson Poles qui a, voilà, est arrivé à maturité à 24-25 ans. Bon, là, c'est 27 ans pour Dorian Godon, mais vraiment des très bons résultats pour moi. Et puis, l'année prochaine, pourquoi pas le voir sur un Tour d'Italie. Ça pourrait être intéressant, Dorian Godon, sur le Tour d'Italie, parce qu'on aura peut-être des opportunités pour des coureurs comme lui. Et puis, bah, Dorian Godon, oui, j'espère le voir sur les classiques. J'espère le voir, encore une fois, sur une Amstel, parce que je pense que c'est vraiment un parcours qui lui convient. J'espère le voir également, pourquoi pas, sur des classiques pavés, parce que, encore une fois, c'est un coureur aussi qui est assez endurant, Dorian Godon. Donc, ça peut être vraiment un profil de coureur très intéressant. Voilà, mon seul regret cette année, c'est l'Amstel, vraiment sa chute sur l'Amstel. En plus, c'est dans un virage, une courbe un peu à la con, c'était même pas l'endroit le plus dangereux de l'Amstel où elle est tombée, et c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on se dit, ah, sans cette chute, est-ce qu'il aurait été en capacité de suivre le groupe de 5 avec Lutsenko, avec Pogacar, avec Benelli? Et bah pourquoi pas, vu les performances qu'il avait fait auparavant sur cette saison 2023. On passe tout de suite au coureur numéro 7. Le septième coureur de ce classement, eh bien, c'est peut-être le sprinter le plus fort français, quasiment. Le sprinter en activité avec Cavendish qui a le plus de victoires aussi. C'est un coureur qui a régressé dans le classement par rapport à l'année dernière. Il était troisième, il est désormais septième. C'est Arnaud Démare. Année pas simple pour Arnaud Démare. Changement d'équipe en cours de saison. On sait que parfois, ça peut être très difficile à gérer. Mais la mayonnaise a déjà bien pris avec l'équipe Arkea. C'est pas une saison catastrophique pour Arnaud Démare. Alors certes, il est un peu en dessous de ses standards. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est un coureur qui, cette année, n'a pas gagné sur les grands tours. Déjà parce qu'il n'a pas fait de grands tours, il faut bien le dire. Et c'est vrai qu'en termes de résultats, c'est un petit peu moins bien.
On a, je crois, j'ai calculé tout à l'heure 4 victoires plus le classement au point des boucles de la Mayenne, mais il y a quand même des bons résultats. Premièrement, vainqueur de la deuxième étape des boucles de la Mayenne, vainqueur également de la Bruxelles Cycling Classic. Ce qu'on oublie toujours, qu'Arnaud Démare, bah, c'est quand même un mec qui a remporté Milan-San Remo, qui a quand même des qualités pour les parcours un peu techniques de certaines classiques ou semi-classiques belges. Quatrième de la Bemer si classique, vainqueur du Tour de Vendée et de Paris-Bourges également, Paris-Bourges qui se refusait à lui, j'ai envie de dire, depuis quelques années. Alors certes, quand on regarde son classement 73e au classement Pro Cycling Stats, il faut repasser à 2015 pour avoir un classement moins bon. Pas de victoire sur les grands tours, encore une fois, aucune participation. Il faut bien le dire que son embrouille avec Marc Madiot l'a un peu gêné pendant sa saison. Il n'a couru que 47 jours, Arnaud Démare, donc ce qui est assez faible. En début de saison, il pensait faire le travail pour David Godu. Il faut saluer aussi sa capacité à travailler pour David Godu, à faire le job. On lui a peut-être pas rendu vraiment l'appareil du côté de la Groupama FDJ, parce que il a quand même sacrifié son début de saison pour son coéquipier David Godu, qui pourtant a vu des propos pas très fut-fut sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitch. Que ça soit, je pense, sur Paris-Nice, notamment, sur l'UAE Tour, il fait le job, quand même, pour un autre leader. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment le statut de leader. Sur Paris-Nice, il a emmené, quand même, David Godu sur un sprint bonification. Je pense qu'un Cavendish, il l'a fait qu'une fois, ça, du côté de l'époque de Sky, et il l'a fait qu'une année. Ça montre aussi quand même l'état d'esprit qu'a Arnaud Démare. Et puis après, derrière, on a senti qu'à partir du région Pays de la Loire Tour, et surtout des boucles de la Mayenne, que la situation avec Marc Madiot n'était pas excellente, qu'ils étaient en froid, quand en plus on lui apprend qu'il ne fera pas le Tour de France. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il n'a absolument pas apprécié. Alors, il est quand même parti avec un beau cadeau de départ. Je dirais sa victoire sur la Bruxelles Cycling Classic. Il y a également une deuxième place sur l'étape numéro 2 du Tour de Suisse. Et puis, voilà, le Tour de Suisse, c'était sa dernière course avec la Groupama FDJ. Et ensuite, il a été directement chez Arkea au mois d'août. C'est vrai que ça a été la première grosse annonce transfert de l'année avec ce départ d'Arnaud Démare, et tout de suite ça a pris, parce que encore une fois cette quatrième place à la Bemer si classique qui est une épreuve World Tour, ça arrive 5 jours après sa première course qui était le Tour de Leuven, et il se retrouve quand même juste derrière Viviani, Van Poppel et surtout Mats Pedersen, devant Arnaud Dely notamment sur une épreuve qui est toujours très intéressante au mois d'août. C'est jamais simple de se remettre dans le bain, surtout que lui, sa programmation de saison faisait que techniquement il devait être au top de sa forme au mois de juillet. Et puis derrière, troisième place au Grand Prix d'Isbert, septième place au Grand Prix de Fourmies, et puis surtout ce doublé Tour de Vendée Paris-Bourges, huitième place également de Paris-Tours où il est troisième du sprint du peloton derrière Christophe Laporte et Tom Van Osbroek, qui ce jour-là, Israël, était sur notre planète, notamment avec la victoire de Riley Sheehan. Et puis, oui, il a été très performant pendant toute l'année, Arnaud Démare, malgré cette situation qui a été difficile, encore une fois, ce changement d'équipe. Il était depuis toujours à la FDJ. Marc Madiot, c'est un personnage très important pour Arnaud Démare. Et le fait d'être obligé de quitter cette structure, de sentir qu'on n'est plus le leader, alors qu'à une époque, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de choses pour Arnaud Démare et qu'on n'est plus en terre promise du côté d'Arnaud Démare dans sa structure qu'on a montée, c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais je pense que le fait de changer d'équipe au mois d'août lui a fait du bien. S'il n'avait pas changé d'équipe au mois d'août,
Je pense qu'il aurait fait une fin de saison assez compliquée où mentalement ça aurait été difficile, je pense. Et forcément, en termes de résultats, ça aurait été compliqué aussi parce que voilà, il y aurait eu des tensions en interne qui, je pense, auraient été difficiles à gérer, même si encore une fois, Marc Madiot et Arnaud Démare sont des personnes intelligentes. La situation était telle que ça ne pouvait plus durer. Il s'est senti trahi, hein, Arnaud Démare, parce qu'il pensait faire le Tour de France, il pensait avoir montré à Marc Madiot qu'il avait fait le travail pour aider David Gaudu sur Paris-Nice. Il pensait qu'il avait les cartes en main, il pensait que voilà, il avait fait une préparation de saison pour que sa forme arrive en pic en juillet. Et quand on lui a dit tu ne vas pas faire le Tour de France, il s'est senti vraiment trahi. Ça a été très compliqué pour lui. Il faut saluer sa capacité à rebondir, Arnaud Démare, sur cette année. Donc certes, 4 places de perdu au classement par rapport à l'année dernière, mais pour moi, il reste dans le top 10 parce que du côté des sprinteurs français, eh bien, ça fait partie des meilleurs aujourd'hui. C'est quand même un mec qui a encore ajouté 4 victoires à son palmarès. Il a 95 victoires en carrière. Il n'en reste plus donc que 5 pour aller chercher la centième. Est-ce que la centième arrivera sur le prochain Tour de France? Ça, c'est la grande question. Mais c'est une recrue importante aussi pour Arkea, pour les points UCI. On en a parlé, mais Arkea est en retard au niveau des points UCI. Donc c'est vrai que ça va être très important pour Arnaud Démare et pour Arkea BNB l'année prochaine. Et puis bon, on a senti que tout de suite ça a bien fonctionné. Le matériel aussi, parce que parfois quand il changeait de matériel, hein, il avait passé toute sa carrière avec des Villaud-Lapierre pour passer chez du Bianchi. Il a réussi à trouver tout de suite ses marques sur un nouveau vélo, ce qui n'est pas toujours évident quand on change de matériel. Il y a des coureurs qui ont mis énormément de temps à s'adapter à un nouveau matériel. Donc il faut saluer, voilà, cette capacité à rebondir en Arnaud Démare. Voilà, cette 7e place, c'est pour saluer cette capacité qu'a eu Arnaud à rebondir sur cette année 2023. On passe tout de suite au coureur numéro 6. Le coureur dont on va parler n'était pas dans le classement l'année dernière. Il n'était pas dans le top 10. Il faisait partie des mentions honorables la saison dernière. Eh bien, il a bien progressé. Une belle saison pour le plus philosophe des coureurs français, je parle bien entendu de Guillaume Martin, qui a fait une saison solide, Guillaume. C'est vrai que l'année dernière, ça avait été compliqué, un Tour d'Italie qui n'avait pas été. Enfin voilà, il avait eu du mal sur son Tour d'Italie, ce Tour de France qui s'est arrêté de manière prématurée. Là, Guillaume s'est dit, je me concentre déjà que sur le Tour de France, donc c'est vrai que ça a changé son approche de la saison. Et assez vite, en fait, il a été performant. 8e de la Fône-Ardennes Classic, il fait également 15e de la Drôme Classic dans des conditions, on rappelle la Drôme Classic, il y avait un vent à des cornets des bœufs, c'était extrêmement compliqué. Il fait 3 échappées sur le Tour de Catalogne, 3e du classement de la montagne. En avril, 5e de Paris-Camembert, 4e de la classique Grand-Besançon, 3e du Tour du Jura cycliste, 4e du Tour du Doubs, 6e de Liège-Bastogne-Liège, 7e de la Mercantour Classique, ça c'était au mois de mai. Donc il a été très performant sur les classiques, comme un certain Pavel Sivakov. Sur le Dauphiné, il prend la 6e place en faisant un excellent dernier week-end. Je t'avais trouvé très bon sur ce dernier week-end. Je vous avais dit, faites gaffe à Guillaume Martin sur le Tour de France. Il va peut-être être en capacité de faire quelque chose de très bien. Bon, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait sur le Tour de France. Il fait un top 10, certes, mais en prenant les échappées, avec notamment 2 7e places sur l'étape de Belleville en Beaujolais, mais sur l'étape également de Saint-Gervais-Mont-Blanc, sachant qu'il y en a une qui est remportée par son équipier. Yann Izaguirre, il prend la 14e place également à Courchevel, 10e du général, mais sans avoir été en capacité à la régulière, hein, de faire cette place-là. C'est vrai qu'il finit devant Thibaut Pinot, mais en prenant encore une fois beaucoup d'échappées, et il finit quand même avec 26 minutes 30 de retard, donc ce qui est quand même un écart assez
important, même si encore une fois entre Vingegaard et Pogacar il y a déjà 7 minutes 30. Mais c'est vrai que si on compare par exemple un Guillaume Martin par rapport à un Jannibal, il y a quand même 12 minutes d'écart. Donc c'est pas sensationnel comme résultat. Mais ensuite derrière, il repart à l'avant et à l'attaque avec une 7e place sur l'Arctic Race of Norway. C'est 11e pardon, de la Polynormande, 4e de la Coppa Sabatini, 6e du Mémorial Marco Pantani. À grande piémontée, il se fait disqualifier, mais il était dans le top 5. Et 3e d'une course qu'il apprécie énormément, la Japan Cycle Road Race. Donc c'est vrai que ça a été une année rondement menée, où il finit derrière Rui Costa et Félix Engelhardt sur cette épreuve de la Japan Cup Cycle Road Race. Et devant des coureurs comme Axel Zingley sur un profil très punchy autour de Utsunomiya. J'ai pas dit absolument correctement. Mais pour moi, Guillaume Martin, c'est une saison rondement menée. Il est dans sa moyenne des saisons précédentes. Hein, vraiment, c'est une très très belle année. En 2020, il avait fait, il était un peu plus haut au classement Pro Cycling où il était dans le top 10. Mais 2020 était une année atypique, avec notamment une 3e place sur le Critérium du Dauphiné, le classement de la montagne de la Vuelta. Mais je trouve que voilà, sa saison 2023 a été plus que réussie, comme la saison 2023 de Cofidis. Hein. On peut dire Yann Izaguirre, Brian Coquard, Axel Zingley, c'est quand même une formation qui a fait du très très bon travail cette saison. Et du côté de Guillaume Martin, bah, j'entends que ça continue en 2024, en sachant que ça sera sa dernière année de contrat avec la Cofidis. Il y aura peut-être des discussions entre Guillaume Martin et Cédric Vasseur, mais aussi entre Guillaume Martin et d'autres formations, parce que c'est quand même un coureur qui peut intéresser. On sait qu'à une époque, Intermarché hein, s'était placé pour tenter de le récupérer, mais d'autres équipes pourraient avoir envie d'aller chercher Guillaume Martin. Des équipes françaises ou par exemple une équipe comme Total Energy pourrait se dire Guillaume Martin, ça peut être pas mal, surtout que c'est un coureur qui a 30 ans, donc qui a encore des belles années devant lui, hein. Je dirais qu'il y a encore au moins 3-4 ans pour Guillaume Martin, voire plus, surtout que c'est un coureur qui a commencé je dirais assez tard, hein, 2016, vu qu'il avait fait ses études en philosophie. Donc c'est vrai qu'au niveau professionnel, il a encore peu d'années dans les pattes, 2016 à 2024, en sachant que 2016, je crois qu'il avait assez peu couru. Wow, il avait fait 60 jours de course quand même en 2016. Il avait fait deuxième du Tour d'Autriche, par exemple, huitième du Rhône-Alpes-Isère Tour à l'époque. Quatrième du Tour de l'Ain, et puis c'est ça qui l'avait un peu révélé même, c'était cette place sur le Tour de l'Ain. C'est vrai que c'est un coureur qui a eu aussi un petit peu de mal à vraiment confirmer sur ses premiers Tours de France, c'était compliqué du côté de Guillaume Martin, mais c'est un coureur qui maintenant fait partie des top coureurs en montagne français, avec Romain Bardet, avec David Gaudu. Et c'est vrai que ça fait partie vraiment des top coureurs, et l'année prochaine je pense qu'il faudra compter sur lui parce que c'est un profil qui est très intéressant, le profil de Guillaume Martin. Et puis on voit hein, les semi-classiques italiennes, c'est aussi des courses qu'il apprécie, et je pense qu'il va se préparer pour le Tour de France, mais pour être très fort en fin de saison, notamment avec sa participation sur la Vuelta, mais aussi à ces semi-classiques italiennes. Je pense que ça sera l'objectif de fin d'année qui sera très important pour lui. On passe au top 5 désormais. Premier coureur de ce top 5, un coureur qui a un peu régressé dans le classement. L'année dernière, il était deuxième. Cette année, il est 5. C'est David Gaudu. David Gaudu, l'année n'est pas catastrophique. Et David Gaudu. Bon, certes, moi, il m'a déçu sur le Tour de France. Vous savez que c'est un coureur. Je ne suis pas le plus grand fan de David Gaudu. Hein, pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, ils savent que j'ai beaucoup de mal, notamment avec son attitude en dehors du vélo. J'ai du mal aussi avec son fan club, ses fans qui ont tendance à être très véhéments sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, dès que vous critiquez David Gaudu, vous avez l'impression d'avoir fait un crime de lèse-majesté.
Vous vous souvenez aussi que c'est un ressenti que j'ai depuis quelques années, hein. C'est pas un ressenti qui date de cette année, autour de David Godu. Moi, c'est un coureur auquel j'ai trouvé en fait qu'à une époque, il était surcoté, David Godu. Je trouvais qu'on en faisait beaucoup autour de David Godu pour des résultats qui n'étaient pas là. Ensuite, les résultats sont venus, notamment avec son Tour de France où il fait une quatrième place cette année. On attendait cette année un peu la confirmation. Alors, encore une fois, comme je disais, c'est pas une catastrophe parce que son Tour de France, il prend quand même une 9e place. Mais en montagne, il a eu du mal à suivre les meilleurs. Il n'a pas été en capacité d'aller suivre les meilleurs. Il fait 9e sur l'étape de Pau-la-Reims, 13e à Cotteret-Cambasque. Et ensuite, il y a eu des étapes où ça a été compliqué, notamment 25e du Puy-de-Dôme. 5e par contre sur l'étape de Courchevel, mais en prenant une échappée. 9e du général, mais encore une fois, il a été trop passif aussi sur ce Tour de France. Alors, c'est quelque chose que j'ai reproché à la Groupama, parce qu'on nous disait toujours on a un plan, on a un plan, on a un plan. Le plan, on a attendu les 3 derniers jours pour qu'il tente des attaques, quoi, quasiment. C'est vrai que ça a été un peu tristoun, la stratégie de cette formation. Groupama, moi j'ai toujours trouvé que c'était un coureur qui était assez attentiste, David Godu. Parce que aussi en début de carrière, il avait tendance à être un petit peu foufou et je pense qu'on l'a énormément canalisé, mais qu'ensuite derrière, bah, on l'a peut-être un peu trop canalisé. Moi, j'avais adoré son Paris-Nice cette année, où j'avais trouvé voilà, qu'il était vraiment dans le coup, juste derrière Pogacar, mais j'ai presque l'impression qu'il est arrivé en forme un peu trop, qu'il a eu un énorme pic de forme au moment de Paris-Nice et qu'il n'a pas réussi à remettre en route après derrière. Quand vous regardez ces résultats, jusqu'au Tour du Pays Basque, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on commence avec le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, il fait 7e, c'est très bien. 2e de la Fonardenne classique, très bien. 4e de la Drôme classique, excellent. Encore une fois, avec des conditions qui étaient très compliquées à gérer pour lui, parce que c'est un tout petit gabarit. 2e de Paris-Nice, en étant 2 fois 2e au col de la Couillole et à la Loge des Gardes. Et à la Loge des Gardes, il est vraiment offensif, il est vraiment très intéressant dans sa manière de courir. 4e du Tour du Pays Basque, en étant 3e de l'étape de Leitza, 5e à Massas-Villabona, 7e à Santurtzi, et 6e à Eibar. Quand on connaît le Tour du Pays Basque, on sait que c'est toujours un parcours qui est très dur. Et puis après, derrière, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'est pas loin du trou noir. 3 abandons d'affilée sur les 3 classiques ardennaises. Sans grande explication, sur Liège, il abandonne très tôt la course. Sur l'Amstel et la Flèche, j'ai plus souvenir de quand il abandonne. Je ne sais plus si sur l'Amstel, c'est la chute. Je ne sais plus, hein, vraiment. Mais sur Liège, je me souviens qu'il abandonne très très tôt. Critérium du Dauphiné qu'il traverse comme une ombre, où il prend la 30e place. Alors, c'est à ce moment-là qu'il nous dit « on a changé la préparation, on a voulu un peu tout révolutionner ». Et c'est là où j'avais dit « mes inquiétudes, quand on change de tout au tout, c'est rarement une bonne idée. Faut garder quand même des repères par rapport aux années précédentes, parce que le corps est habitué à certaines choses et qu'après, ça peut devenir vraiment très difficile de vouloir tout changer du tout au tout ». Et puis après, sur le Tour de France, sa première semaine n'est pas catastrophique. La deuxième est très dure en termes de résultats. Et puis après, derrière, tu sens qu'il n'était pas en capacité d'aller jouer avec les meilleurs. Il n'avait pas ces capacités-là physiques. Il prend quand même 25 minutes dans la gueule, hein, David Godu, donc ça fait mal. Et puis après, sa saison s'est presque arrêtée au moment du Tour de France. Alors, il fait le Tour de Slovaquie, mais il finit 96e. Tour de Luxembourg, il tombe, ou il était malade, je crois qu'il était malade, sur le Tour du Luxembourg, mais il abandonne dès au bout de 90 km de course, il abandonne. Et puis, après, on ne l'a pas revu, hein, donc c'est vrai qu'il a arrêté sa saison extrêmement tôt. On n'est pas sur les mêmes résultats que l'année dernière, malgré ce bon Paris-Nice. Et ouais, c'est vrai que ça a été un peu dommageable. Voilà, il y a eu des bons résultats cette année. Il y a eu ce très bon début de saison. Après, derrière, beaucoup de mal à enchaîner.
Il y aura des choses à revoir, je pense au niveau de la préparation de son Tour de France, au niveau de la gestion de sa saison. On a fait des erreurs du côté de la Groupama. On sait que du côté de la Groupama, on a beaucoup de mal à avouer qu'on fait des erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs. Peut-être aussi qu'il y a eu un contexte autour de la Groupama FDJ qui n'a pas aidé David Godu, avec tout ce contexte autour de la pierre, notamment tout ce contexte au niveau budget. On ne savait pas trop s'ils allaient recruter énormément pour remplacer Thibaut Pinot. Peut-être aussi que pendant le Tour de France, il a un peu souffert d'être dans l'ombre de Thibaut Pinot, parce qu'il n'était pas très chaud pour être avec Thibaut Pinot, pour tout vous dire, sur le Tour de France. Et c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans l'ombre, parce que Thibaut Pinot, en plus, était intéressant sur ce Tour de France, surtout en fin de course, et que ça a peut-être été compliqué à gérer pour lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, David Godu, je le dis toujours, mais je ne suis pas sûr qu'on le retienne dans l'histoire, autant qu'un Thibaut Pinot, autant qu'un Romain Bardet, autant qu'un Thomas Vauclair, par exemple, on pourra regarder ça comme ça, malgré ses grands résultats sur les grands tours, parce que c'est vrai que c'est un coureur qui est très difficile. Moi, j'ai beaucoup de mal avec David Godu, avec l'attitude de ce coureur. Qu'il fasse du Twitch, bon, pourquoi pas, si ça ne nuit pas à sa récupération. Mais je trouve que, putain, les propos qu'il a tenus sur Arnaud Démare, c'était d'un manque de respect inouï, comme dirait Jérôme Commandeur dans le flambeau. Je trouve que c'était pas très malin de sa part. Il devrait prendre des cours de communication, David Godu. C'est surtout qu'en plus, il a 27 ans, c'est-à-dire que c'est pas une connerie d'un mec qui a 20 ans, qui vient d'arriver dans le monde du cyclisme professionnel et qui est un petit peu tout feu tout flamme. On parle d'un mec qui a 27 ans, qui est arrivé chez les professionnels en août 2016 en tant que stagiaire et première saison complète en 2017. Donc techniquement, il a autant de saisons chez les pros que Guillaume Martin. C'est là où le bas blesse du côté de David Godu sur ses propos, parce que je ne pense pas qu'un Guillaume Martin dirait ce genre de choses d'un équipier. Et pourtant, il y a autant d'expérience d'un côté comme de l'autre au niveau du cyclisme professionnel. Et tout son fan club aussi, il n'a jamais essayé de calmer ses fans. Ça, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que ses fans ont souvent tendance à monter au créneau très vite et à harceler, parfois à harceler certains autres équipiers de la part de la Groupama FDJ. Il n'a jamais calmé la donne aussi. Ça, j'ai un peu du mal avec tout ça. Bon, on passe tout de suite au coureur qui est, comme dirait Jean Lucam, à la place du con, la quatrième place. La place du con cette année, elle est pour Pavel Sivakov. Alors, c'est la place du con, mais c'est déjà une belle place, la quatrième place. Avec très belle saison de Pavel Sivakov. Très belle saison, notamment sur la fin d'année, les classiques italiennes. On sent que sa non-participation au Tour d'Espagne lui a donné un gros coup de pied au cul, je pense. Un peu comme Arnaud Démare, il s'est senti trahi par sa formation. Il est arrivé en 2018 chez Sky. Il avait commencé dans l'équipe de développement de BMC. BMC s'était arrêté. Donc voilà, il était depuis 5 ans chez Sky Ineos. Ça a été un peu compliqué, Sivakov. Il y a eu des très bons résultats, notamment vainqueur du Tour de Burgos l'année dernière, vainqueur d'un Tour de Pologne, vainqueur également d'un Tour des Alpes. Il y avait eu également des très bons résultats dans ses jeunes années. C'était un coureur qui était ultra prometteur. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, il avait eu du mal à avoir les résultats qui étaient en adéquation avec les attentes qu'on avait sur lui. On avait des grosses attentes pour Sivakov, et c'est vrai qu'au tout début, on se disait « ça va être le futur leader d'Ineos », sauf que, il faut bien le dire, Egan Bernal lui est passé devant. Il faut bien le dire également qu'un Geraint Thomas a conservé son statut de leader et qu'il n'a jamais réussi à menacer. Que Gauguenhart lui est passé devant quand il a gagné le Tour d'Italie. Il a régressé au fur et à mesure dans la hiérarchie. En devenant à certains moments qu'un simple équipier, le Tour de France 2020 lui a fait également beaucoup de mal, parce qu'il tombe, je ne sais plus, à 4-5 reprises sur ce Tour de France 2020, notamment deux fois sur l'étape de Nice, et il n'a jamais été en pleine possession de ses moyens sur cette course. Et ensuite, ça a été très difficile à gérer pour lui la fin de la saison 2020. En 2021,
Au final, on le voit très peu sur l'année. Il a surtout un rôle d'équipier pendant une grande partie de la saison. Alors, on le voit surtout sur la Vuelta, mais c'est vrai que où il prend deux échappées sur cette course, mais c'est vrai qu'il était un peu en difficulté du côté de sa formation. On sentait que c'était difficile. En 2022, il est vraiment revenu au top. Notamment, il a fait un gros travail pendant le Tour d'Italie. Et puis en 2023, il fait aussi un gros début de saison avec une 5e place sur l'étoile de Bessèges, 10e place sur le Tour d'Andalousie, 9e sur Paris-Nice, qui n'a jamais été une course où il était super bien, 7e sur le Tour des Alpes. Donc là, voilà, vraiment des top résultats. Surtout que le Tour des Alpes, c'était son leader. C'était Gegenhardt hein, qui était leader sur le Tour des Alpes cette année et qui faisait le job. Donc c'est vrai qu'il a fait également le travail d'équipier pour son leader qui était Tao Gegenhardt. Et puis il y a ce Tour d'Italie où là aussi au départ il a un travail d'équipier pour Gegenhardt puis ensuite pour Geraint Thomas. Il abandonne lors de l'étape 16, mais c'est vrai qu'il avait eu déjà un petit peu de mal sur les jours précédents. 14e sur l'Eche Bastogne-Liège. Bon, après le Tour d'Italie, il fait une grosse pause. Il ne reprend qu'en juillet où il fait 5e du Tour d'Autriche. Et là encore, où il fait un travail d'équipier pour Narvaez. 14e du Tour de Pologne. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est à ce moment-là qu'il apprend qu'il ne fera pas la Vuelta, qui était prévue à son calendrier. Il s'est senti trahi, tu sais, un peu comme Arnaud Démare. Derrière, il veut montrer ce qu'il sait faire. Il prend la 4e place du Tour d'Allemagne, qui n'est pas forcément le type de parcours qui lui convient le mieux. Et puis après, il enchaîne sur les classiques italiennes, hein. Il faut le dire, avec notamment 3e du Mémorial Marco Pantani, 2e de la Coppa Sabatini, la victoire sur le Giro della Toscana, 2e également du Grand Prix cycliste de Montréal, où il a montré également que sur les classiques, il a quand même un souci, c'est un peu comme Benelli, c'est pas le plus grand sprinter de l'histoire, Pavel Sivakov. Ce qui fait que bah, il s'est retrouvé souvent en sprint adieu dans des petits groupes et puis bah, il n'avait pas la capacité pour aller chercher la gagne. C'est là aussi où il a annoncé son arrivée chez UAE, qui pour moi est un petit peu incompréhensible parce que Sivakov, il a 26 ans, il aurait pu se dire aujourd'hui, je veux un statut de leader dans une formation. Parce que c'est ce qu'il a reproché à Ineos, que Ineos ne lui fasse pas confiance pour avoir ce statut de leader. Parce qu'il disait, moi sur la Vuelta, je serai en capacité d'obtenir des bons résultats. Peut-être des meilleurs résultats que Geraint Thomas. Sauf que on ne lui a pas fait confiance à ce moment-là. De rejoindre une armada comme UAE, je ne vois pas l'idée. Pour moi, Sivakov, il pourrait être totalement leader. C'est-à-dire que pour être leader dans une formation, par exemple, comme AG2R, il pourrait être leader. Dans une formation comme EF, il pourrait être leader avec Carapaz. Il pourrait être leader dans énormément d'équipes. Je ne vois pas pourquoi il est allé chez UAE où il ne sera pas leader. Et qu'en plus, sur son profil à lui, c'est-à-dire il se dit peut-être pour aller jouer les classiques. Oui, mais pour aller jouer les classiques, il y a Marc Hirschi. Il y a Pogacar, qui sont meilleurs que lui. Même un McNulty, qui est puissant aussi, qui est un bon coureur. Est-ce qu'il s'est dit, bah, c'est pour les grands tours? Bah oui, mais t'as Almeida, Ayuso, Pogacar. Donc ils ont déjà une triplette quand même très très forte. Moi, j'ai peur qu'il s'enterre un petit peu comme McNulty et qu'il se retrouve à avoir un rôle d'équipier, pas forcément un rôle de lieutenant en plus, parce qu'il y a aussi des très bons coureurs qui sont lieutenants. Bon. Je vois pas trop l'intérêt d'aller s'enterrer chez UAE, à part pour signer un gros chèque. Mais je pense que déjà chez Ineos, il était bien payé. Donc je me dis que oui, il aurait pu partir dans une autre formation, chez DSM par exemple, dans d'autres équipes qui auraient pu lui donner également un meilleur statut que ce qu'il avait actuellement chez Ineos. Alors que là, il va se retrouver à avoir un statut peut-être moins bon que ce qu'il avait chez Ineos. Je trouve ça dommageable. Mais après, son année 2023 est vraiment bonne et c'est un coureur qui a progressé dans la hiérarchie. On passe tout de suite au podium. Première marche du podium, le retraité peut-être le plus célèbre du peloton désormais, Thibaut Pinot. Le Français, c'était sa dernière saison, il l'avait annoncé assez tôt, hein, qu'il n'allait pas poursuivre après 2023.
Et je pense qu'il le savait quasiment dès le début de saison. Je pense que en lui, il le savait tout de suite. Eh bien, c'est un excellent bilan sur cette année 2023. En dehors du bilan, on va dire relationnel avec ses supporters, qui a été juste excellent. Le bilan même sportif est très bon. Thibaut Pinot, c'est cinquième du dernier Giro, en remportant le classement de la montagne. C'est 11e du dernier Tour de France en prenant des échappées sur l'étape 20, sur l'étape 11, sur l'étape 15, sur l'étape 14, sur l'étape 12, en ayant également 4 top 10 lors de l'étape 1, lors de l'étape 12, lors de l'étape 15, lors de l'étape 20. On peut notifier également 7e des championnats de France sur un parcours qui était très difficile du côté de Cassel. Cinquième du dernier tour de Romandie également. Il lui manque deuxième du tour du Doubs, deuxième du tour du Jura, cinquième du classique Grand Besançon, sixième de l'étoile de Bessèges. En fait, il manque qu'une victoire cette année à Thibaut Pinot. Il aurait pu l'avoir sur le tour d'Italie, notamment l'étape de Crans-Montana où il s'est un peu raté, hein, faut bien le dire, en termes de stratégie sur cette étape-là, parce qu'il est passé à deux doigts d'aller chercher la gagne sur des montées en Suisse qui conviennent très bien à ses qualités de puissance, avec un terrain où il a eu de nombreux très bons résultats en Suisse. C'est là où il y a le petit regret, la petite déception, c'est sur cette journée où il passe à côté avec ses pédas, où il ne se concentre pas sur le bon coureur et où il fait. Il sort complètement de sa course ce jour-là. Mais en dehors de ce résultat-là, quand vous regardez, c'est quand même du solide. Alors oui, il l'a dit après le Tour de France, il n'aurait pas dû poursuivre. Parce que bon, il l'a dit en interview, hein, l'étape du Markstein, c'était une telle émotion qu'il n'avait plus vraiment la tête au cyclisme après ce Tour de France. Il abandonne en plus très vite sur le Tour du Poitou-Charentes sur une grosse chute. Lors de l'étape 2, sur le Tour de Slovaquie, bon, on finit 32e, ce qui était une course de reprise. Il abandonne sur le Tour du Luxembourg quasiment en même temps que David Godu en étant un petit peu malade. Et puis bon, sur les classiques italiennes, il n'a pas eu le même rendement que certaines autres années. Mais il fallait, en termes de points Pro Cycling Stats, il fallait revenir à 2018 pour qu'il ait autant de points selon Pro Cycling Stats au niveau de son classement. C'est pour dire que voilà, ça faisait quand même depuis quelques années qu'il n'avait pas réussi à avoir ce rendement-là en termes de résultats. Ça a été mieux qu'en 2022 parce que vous avez en plus un classement général sur un grand tour. Alors certes, on va me dire pas à la régulière, c'est clair. Sur le Tour d'Italie, à la régulière, il n'est pas cinquième du classement général. Mais bon, il finit cinquième derrière quand même du lourd. Roglic, Thomas, Almeida, Caruso. Il finit devant Rensman, il finit devant Dunbar, il finit devant les Knessund. Alors certes, voilà, il finit quand même devant des très très bons coureurs. Notre ami Thibaut Pinot sur le Tour de France, il est derrière son équipier Godu, alors que ce n'était pas lui le leader. Donc c'est quand même une super année qu'a fait le coureur français. Bon, maintenant, on lui souhaite. Il fait même 10e de Tirreno aussi, hein. Sur sa saison. Bon, maintenant, on lui souhaite une bonne retraite avec toute sa petite ferme. Et puis, bon, on espère surtout le revoir quand même de temps en temps sur les routes du Tour de France, sur le bord des routes du Tour de France. Bon, on sait qu'il n'a pas vraiment envie d'être dans le milieu du cyclisme. Il a envie de faire une pause avec le milieu du cyclisme. Mais bon, ça m'étonnerait quand même qu'on ne le voit pas sur les bords des routes. Il va certes passer du temps à la ferme, mais bon, pas seulement. Je pense qu'il aura d'autres occupations sur le bord des routes également du côté de Thibaut Pinot. On passe tout de suite au deuxième du classement des meilleurs coureurs français de l'année 2023. Ce deuxième coureur français, c'est un fils d'eux, mais qui a montré depuis bien longtemps ses qualités et son talent. C'est Valentin Madouas qui fait son arrivée à cette deuxième place. Et dernière, il était un peu plus loin dans le classement, Valentin Madouas. Il était cinquième, donc il a gagné pas mal de positions, comme Thibaut Pinot, hein, j'ai oublié de dire, qui était aussi dans le classement l'année dernière, mais qui était septième. Du côté de Valentin Madouas,
Déjà, vous avez cette victoire sur la Bretagne Classique. Très belle victoire. Voilà, il gagne vraiment très bien cette course. Vous avez également 4e place sur le Grand Prix cycliste de Montréal. Ça, c'est aussi un bon résultat. 5e de Liège-Bastogne-Liège. Derrière un très grand Remco Evenepoel, il faut quand même le rappeler. Sur Liège-Bastogne-Liège, il fait 5. Alors, en sachant qu'au départ, on ne savait pas trop qui était le leader. Derrière, quand même du lourd. Derrière Evenepoel, Pidcock, Buitrago, Benelli. Voilà, c'est très intéressant quand même sa course. On le revoit également 4e de Paris-Camembert, 8e du Grand Prix E3. Dommage. Bon, sa situation ensuite s'est détériorée physiquement. Il a été malade, notamment sur le Tour des Flandres et à travers la Flandre. 2e d'Estrade Bianchi, il faut aussi le rappeler. 4e du Tour cycliste de la région de Murcie. Et 5e et 4e de 2 étapes du Tour de l'Algarve. Et une très belle 2e place sur les Estrade Bianchi, où il a fait également le job derrière Pidcock. Et devant Tige Benoît, devant Rui Costa, Bilbao, Mohoric. Donc voilà, devant des très très bons coureurs du côté de Valentin Madouas. Sur le Tour de France, il a fait un travail d'équipier pour David Gaudu, même si il n'était peut-être pas en super forme. Là encore, la préparation physique de la Groupama FDJ avait été particulière et je pense qu'ils ont fait des erreurs. Il a été champion de France du côté de Cassel. En faisant une démonstration de force de la Groupama FDJ, mais qui a été conclue par une démonstration de la part de Valentin Madouas. Et puis voilà, une fin de saison avec cette victoire de la Bretagne Classique qui, je pense, lui tenait à cœur avec ce maillot de champion de France. 15e pardon, également des championnats du monde, ce qui fait de lui le premier coureur français à l'arrivée sur une course où ça a été très compliqué pour les Français, avec des conditions climatiques qui n'étaient pas évidentes et également une grève. Puis oui, il a fait une très belle année. Il a fait une belle année, Valentin Madouas, il mérite cette 2e place. Ça fait maintenant partie des cadres de l'équipe de France. Je pense qu'avec Christophe Laporte, on sait assez bien qu'ils seront tous les deux lors des prochains Jeux Olympiques. La question est plutôt de savoir qui seront les deux autres coureurs qui vont accompagner Valentin Madouas et Christophe Laporte, parce que bon, on sait les qualités, on connaît les qualités de Valentin Madouas et de Christophe Laporte aussi. Et puis sur le Tour de France, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué pour lui, mais encore une fois, il y avait une stratégie autour de David Gaudu. Le Dauphiné, ça a été très compliqué pour lui. J'étais même très inquiet après le Dauphiné. Hein, je vous en avais parlé en interview. Je m'étais dit, putain, Madouas, c'est dur là. Les jambes sont vraiment pas bonnes. Mais voilà, c'est cette préparation de la Groupama qui n'a pas été réussie. Mais derrière, l'année est quand même très très intéressante du côté de Valentin Madouas. Ça fait partie maintenant des top coureurs français, et on espère que l'année prochaine il sera là sur les classiques flandriennes, qu'il sera là sur les Ardennaises, et puis pourquoi pas un statut de leader sur un des grands tours pour s'extirper de l'ombre de David Gaudu, parce qu'il mériterait totalement d'être leader dans une formation sur un grand tour. On passe désormais à la suite du classement. La suite du classement, eh bien déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, on va passer par les mentions honorables, tout de suite, avec pas mal de mentions honorables cette année du côté des Français. C'est à des coureurs qui n'étaient pas dans le top 10, mais qui ont quand même fait des saisons intéressantes. Je commence avec Révi Camagna, le meilleur rouleur français avec Bruno Armirail. Alors, j'ai pas mis Bruno Armirail, j'ai hésité aussi à mettre un Bruno Armirail, mais j'avais énormément de mentions honorables. Pourquoi j'ai mis Rémi Cavagna? Parce que champion d'Europe avec le relais sur le contre-la-montre mix, 4e du chrono des nations, 8e des championnats d'Europe. Moi, j'ai trouvé également que sa victoire sur le Tour de Slovaquie, elle est très intéressante. Alors certes, sur le Tour de France, il a été un peu plus en retrait, mais il fait également une belle flèche Brabanson, pardon, sur l'Amstel, il roule aussi pas mal. Semaine internationale copiée, Bartali, il prend deux victoires.
Paris-Nice, il est là sur le contre-la-montre, où ils prennent la 7ème place sur un contre-la-montre, ils étaient un de moins, et il est également dans l'échappée sur l'étape du col de la Couillole. Je trouve que c'est un coureur qui a énormément progressé. Alors certes, Bonor Amirail a fait également une bonne saison, notamment avec sa 16ème ou 17ème place sur le Giro, et le fait d'avoir récupéré le maillot rose aussi, mais Révi Cavagna, c'est aussi du très solide. Et moi, pourquoi je le mets en mention honorable plutôt que Bruno Armera, c'est que sur le titre de champion d'Europe du contre-la-montre par équipe mixte, pour moi, il tracte la formation française et il tracte aussi la formation française du côté des championnats du monde. Donc pour moi, c'est pour ça que je le mets un peu devant Bruno Armera. Après, je comprends qu'il y en a certains qui disent « t'as pas mis Armera, t'as pas mis Armera ». Deuxième mention honorable, c'est Romain Bardet. C'était moins bien que l'année dernière pour Romain Bardet. Alors oui, il y a des top 10, notamment 5e du Tour de Suisse, 7e du Tour de Romandie, 9e place sur la Flèche Wallonne, 15e de Liège-Bastogne-Liège, 7e de Paris-Nice, 8e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, 2 top 11 sur la Drôme et l'Ardèche Classique, ça fera plaisir à Tony Galopin. Mais son abandon sur le Tour de France, où il était déjà un petit peu en retrait en termes de performance, et sur le Tour d'Espagne, il prend beaucoup d'échappées, mais il n'arrive pas à trouver la gagne, même s'il fait... il prend la gagne sur le contre-la-montre par équipe, mais sur les étapes individuelles, il finit deuxième à l'Arabe et la Goa, et troisième à Javalembre. Et puis j'ai senti pendant toute la saison, je vous en avais parlé notamment sur le Tour de Lombardie, mais même pendant le Tour de France, j'ai senti pendant toute l'année qu'il était un peu moins bien que les années précédentes physiquement. J'avais l'impression qu'il courait après le temps, qu'il était en retard par rapport à sa préparation physique, par rapport à sa condition physique, et que ça avait nuit à son niveau de performance, Romain Bardet. Donc c'est pour ça que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec la saison de Romain Bardet cette année. J'avais l'impression qu'il était un peu en dessous, qu'il avait vraiment du mal à trouver le rythme. L'année prochaine, il continue avec le DSM. Fin de contrat, est-ce qu'il poursuivra sa carrière sans Thibaut Pinot? C'est vrai que ça sera une première pour lui, hein, parce qu'ils ont toujours couru ensemble. C'est la première fois qu'il ne sera pas avec Thibaut Pinot dans les pelotons. On va voir ce que ça va donner pour Romain Bardet en 2024. Peut-être qu'il ira ensuite, il tentera de revenir chez G2R, peut-être, pour sa fin de carrière. Ou peut-être qu'il ira dans d'autres formations, mais peut-être qu'il ira avec Jean-René Bernaudot. On ne sait jamais, du côté de la totale. Mais c'est vrai que Romain Bardet, cette année, ça a été un peu compliqué. On sent aussi que les classements généraux de Grand Tour, c'est de moins en moins sa tasse de thé et qu'il a envie aussi d'aller chercher des étapes. Ça, on a bien compris sur le Tour d'Espagne. Et même pendant le Tour de France, il en parlait quand même pas mal. On sent que, voilà, il dit à plusieurs reprises, j'ai plus les capacités de tenir 3 semaines. Enfin, voilà. Je pense que dans les années à venir, on le verra de plus en plus, oui, sur des classements d'étapes pour aller chercher les gagnes, les victoires. Ça, il a encore totalement les capacités de le faire. Bon, encore une fois, hein, je pense qu'il a raté sa chance sur un classement général de Grand Tour. C'est le fameux Giro qu'il abandonne, parce que on voyait bien qu'il avait les capacités physiques pour faire mieux que 3e. Et quand tu vois qu'à la fin, c'est Jay Hindley qui s'impose, tu te dis qu'il était totalement en capacité d'aller chercher Jay Hindley cette année-là. Ça reste, pour moi, le plus grand regret de sa carrière, ce Giro. Ça reste la plus grande frustration, pour moi. On poursuit avec Romain Grégoire, les jeunes talents de la jeune garde française de la Groupama. C'est une bonne première saison chez les pros, chez les pros en World Tour, avec une victoire sur le Tour de Limousin, une victoire sur les 4 jours de Dunkerque, également deuxième du Grand Prix du Morbihan, 8e d'Estrade Bianche, ça nous avait déjà donné des bonnes précisions, 5e de la Fonardèche Classique, deuxième du Grand Prix du Morbihan. Donc c'est déjà une très bonne première saison. Une Vuelta où il a été un peu plus en retrait à part sa deuxième place du côté de la Laguna Negra Vinuesa, mais c'est vrai que sur les 3 semaines de course, ça a été un petit peu plus difficile pour lui. Il est encore en phase d'apprentissage. L'année prochaine, ça sera sa deuxième année en World Tour. Je pense qu'il aura progressé et on voit qu'il a déjà des qualités un peu de puncher. De puncheurs, on va dire, qui se sont déjà pas mal exprimés. Et c'est vrai que quand vous gagnez le Tour du Limousin,
c'est que vous avez quand même un gros potentiel de coureur, parce que le Tour du Limousin, c'est très dur au mois d'août. Et puis, il a surtout fait une saison où il a été pas mal performant pendant toute l'année, puisqu'il est 13, il fait 13e des Trois Vallées Varésines au mois d'octobre. Donc, ce qui n'est pas toujours facile pour un jeune coureur. Il a quand même enchaîné 63 jours de course en ayant commencé en février. Donc, vraiment une belle année pour Romain Grégoire. C'est très intéressant pour la suite. Axel Zinglé, un peu moins bien que l'année dernière pour moi. Voilà, il y a un peu moins de gros résultats. Par contre, il a montré qu'il pouvait être présent sur les courses internationales. 7e de la Japan Cup Cycle Road Race. 8e du Renewi Tour, qui est donc le nouveau nom du Tour du Benelux. Notamment 3e de la 3e étape. 4e du Tour of Leuven. Sur le Tour de France, ça a été compliqué, même pour emmener les sprints pour Brian Coquard. Il avait été aussi un petit peu souffroteux. Sur le Dauphiné, il prend la 8e place du classement par points, 4e de la première étape, 7e de l'étape numéro 3. Sur les boucles de la Mayenne, il est 3e du général, 6e des boucles de l'Aune, 3e du Tour du Finistère, 9e du Grand Prix du Morbihan, 5e de la Flèche Brabançonne, vainqueur de la Classique Loire-Atlantique, 7e de Cholet-Pays de la Loire, 5e du Trofeo Calvia, 4e du Trofeo Ses Salinas Alcudia pour ses grands résultats. 2e également d'une étape sur le Tour de Man, 5e du classement par points de cette même course. En fait, il en a un peu manqué sur certaines épreuves. Ce n'est pas une année catastrophique, mais par rapport au top 10, je ne me voyais pas le mettre à la place de Mathieu Burgaudeau ou de le mettre à la place d'un Brian Coquard. Donc, c'est ce qui a fait qu'il n'est pas dans le top 10. Ce n'est pas une mauvaise saison hein, de la part d'Axel Zinglé, mais je ne le voyais pas le mettre à la place de ces coureurs-là. Et je voulais mettre Dorian Godon. Donc, c'est pour ça qu'il n'est que dans les mentions honorables. Lenny Martinez, très bonne première saison avec une victoire sur la CIC Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Maillot sur le Tour d'Espagne, même si sur la fin de course ça a été un petit peu compliqué, il finit 24e. 12e du Tour de Pologne, 13e des Championnats de France du contre-la-montre, 4e de la Mercantour Classique, 2e de la Classique Grand Besançon, 8e du Grand Prix cycliste de la Marseillaise en tout début de saison pour Lenny Martinez. Bon, il a montré ses qualités de grimpeur, il a montré de très très belles choses. Sur le Tour d'Espagne, ça a été un petit peu compliqué, mais encore une fois, il a seulement 20 ans, il est encore dans une phase d'apprentissage. Surtout qu'en France, on a moins l'habitude d'avoir des très jeunes coureurs dans les formations qui fassent déjà les grands tours, hein, parce que pendant très longtemps, on attendait au moins 2-3 saisons avant que les coureurs fassent les grands tours. Je crois qu'il fallait. Moi, j'ai souvenir que Thomas Vauclair avait fait un grand tour dès sa première année chez les professionnels à l'époque de Bonjour. Mais j'avais pas souvenir d'énormément de coureurs faire un grand tour dès leur première année chez les professionnels. Donc voilà, c'est pas mal. Il faut encore progresser, mais encore une fois, il a 20 ans, il a encore du temps, voilà, pour progresser. Warren Barguil, très bon tour d'Italie, où il a été à l'attaque, il a tenté de prendre les échappées. Tour de France compliqué, il était à l'attaque, mais tu sentais qu'il a eu du mal à enchaîner les deux grands tours. Ça a été compliqué pour lui. 10e de la Flèche Wallonne, c'est un peu moins bien que d'habitude. Pour lui, et puis un 9e du Raen Paraiso intérieur au mois de février, vous savez, cette course comme l'Estrade Bianche, mais en Espagne. 4e de la Coppa Agostini, 10e du Giro dell'Emilia, on sait qu'il est toujours bon sur les semi-classiques italiennes aussi. 24e du Tour de Lombardie, bon, lui en a manqué un peu, on avait l'impression voilà, qu'il voulait changer d'air aussi du côté de Warren Barguil pendant le Tour de France. Et ça sera chose faite l'année prochaine avec 3 ans de contrat avec la DSM. Il revient dans la formation qu'il l'avait recruté en 2012 après une année de stagiaire où il avait été chez Bretagne Schuller, mais qui ne l'avait pas conservé. Bretagne Schuller en 2011 à l'époque. Bretagne Schuller, c'était le nom, hein, pour ceux qui ne se souviennent pas, de Arkea à l'époque. Où il était notamment cette année-là avec Jean-Marc Bidot, avec Armindo Fonseca, qui avait Sylvain Calzati, encore coureur cycliste. Il y avait qui d'autre? Romain Hardy, qui démarrait, comme Joanne Lebon. Florian Vachon également, qui était là. Et Jean-Luc Delpech, qui était en fin de carrière, avec Renaud Dion. C'était des coureurs qui étaient en fin de carrière. Renaud Dion était passé chez AG2R notamment, pour ceux qui se souviennent.
Paul Penouette, bonne première saison en tant que sprinter. Lui, j'ai hésité vraiment à le mettre dans le top 10, comme avec le coureur d'après. Mais je me suis dit, certes, il fait des top 10, mais surtout sur des courses franco-françaises de Coupe de France, vainqueur de la Coupe de France. Mais là aussi, hein, pour une première année complète chez les professionnels, c'est vraiment, enfin, en World Tour, c'est vraiment pas mal. Notamment 4e de Paris-Bourges, 2e du Tour de Vendée, 3e de Paris-Chenis, 5e du Grand Prix de Fourmies. 19e du Tour du Poitou-Charentes, mais en remportant l'étape numéro 2 et en faisant 4 top 10. 9e de la Polynormande, 3e de la première étape de la route d'Occitanie, 6e du classement par point des 4 jours de Dunkerque en faisant 3e de la première étape, vainqueur du Tour du Finistère, 7e de la route Orange et le 4e de la classique Loire-Atlantique. Sur le Tour de Nander, il a fait 5e et 4e sur 2 étapes. Et on retrouve également 6e du classement par points du Tour de l'Algarve et 4e de la classique Loire-Atlantique. Je ne sais plus si je l'avais dit, donc c'est vraiment une première saison intéressante avec 2 victoires pour le moment chez les professionnels. Pour lui, 21 ans aussi, il aura 22 ans le 28 décembre prochain, donc l'année prochaine. Mais voilà, c'est une première année assez intéressante, une première année complète pour lui dans le World Tour. On verra ce que ça donnera l'année prochaine. Voilà, avec plus d'expérience, ça peut faire vraiment des choses intéressantes. Mais c'est une première saison très intéressante pour le sprinter. Et puis, dernier coureur aussi, j'ai hésité à rentrer dans le top 10 et Victor l'a fait. Pourquoi il n'est pas dans le top 10 malgré sa 3e place sur la Copa Agostini, malgré sa victoire sur la 2e étape du Tour de France, malgré sa victoire sur la classique Grand Besançon du Doubs? Eh bien, c'est son irrégularité. C'est un coureur qui, oui, est capable d'être très performant sur certaines courses, mais encore trop irrégulier pour moi. Donc, c'est ce qui fait qu'il n'est pas dans le top 10. On passe tout de suite au vainqueur de ce classement 2023 du top 10 des meilleurs coureurs français. Après 1h30 de vidéo, vous attendiez enfin le nom du leader de ce classement. Eh bien, encore pour la 2e année consécutive, c'est Christophe Laporte. C'est pas vraiment une surprise pour moi, Christophe Laporte, parce que bah, ça fait partie des top meilleurs coureurs de classiques mondiaux. Vainqueur des championnats d'Europe. 6e de Paris-Tours, 5e de la Sparkassen-Münsterland-Giro, en sachant qu'il était dans le coup avec l'échappée et que c'est un de ses équipiers qui s'impose. 4e de la Lotto Famen Ardennes Classique aussi, ça c'était au mois d'octobre. Sur le Tour de France, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'au départ, il jouait l'équipier pour Wout Van Aert qui n'arrivait pas à trouver l'ouverture. Et ensuite, bah, quand Wout Van Aert est parti, bah, les sprints ne sont pas allés à l'arrivée. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour lui, mais sur le Dauphiné, il avait été très bon, notamment en remportant le classement par points, mais en remportant également 2 étapes, vainqueur également d'à travers la Flandre et de Gand-Wevelgem. Et puis 3e du Umlaut Etnieuwsblad, 6e de Kuurn, Bruxelles-Kuurn, 13e également de Milan-San Remo, 10e de Paris-Roubaix. C'est quand même une grande saison qu'a réalisé Christophe Laporte. Il a confirmé l'année 2022 en termes de résultats. La question maintenant est de savoir, est-ce que Wout Van Aert aura toujours le statut vraiment de leader numéro 1 l'année prochaine? Parce que Coco, il a quand même montré des très très belles choses sur cette saison 2023. Et certes, Wout Van Aert, il est belge. Bon, on sait que Jumbo a formé ce coureur, formé ce coureur-là, a toujours eu une acquaintance pour lui parce que c'est lui qui a amené des grands résultats dans cette formation sur les classiques. Mais Christophe Laporte arrive très fortement. Ça va devenir compliqué de dire à Christophe Laporte, tu restes numéro 2 sur les classiques quand tu vois les résultats qu'il fait. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, il soit co-leader, Christophe Laporte. Et de toute manière, il mériterait ce statut de co-leader. Quand on voit les résultats, c'est quand même un coureur qui est maintenant à 31 victoires chez les professionnels. Il a bien augmenté son classement et il a encore un contrat jusqu'en 2026. Et on voit que son arrivée chez Jumbo, ça lui a fait énormément de bien en termes de résultats. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est vainqueur. Il n'y a pas eu vraiment de doute. Autant il y a des classements où pour le numéro 1, j'ai eu parfois des doutes. Là, sur ce classement des meilleurs coureurs français, j'ai pas eu de doute parce que la saison de Christophe Laporte, bah, elle est au-dessus du lot de ses adversaires. Et pourtant, il n'a pas énormément couru cette année. Il a peut-être même moins couru que l'année dernière. Sa seule déception, c'est les championnats du monde. Vraiment. Où, moi, je l'attendais. Il abandonne.
Ça a été compliqué pour lui, mais son après Tour de France a été dur. La période du Tour de France, je pense qu'il n'était pas au top de sa condition physique aussi. Ça a été un peu compliqué à gérer. Mais ensuite, on voit 6e de Québec. Voilà, il a fait des super résultats à partir de fin septembre. Donc l'année prochaine, moi j'aimerais le voir en tant que leader sprint sur un des trois grands tours pour cette formation Jumbo. Parce que je pense qu'il a les qualités hein, pour faire des bonnes choses. Et je pense que ça sera le cas parce que on sait que Van Aert fera le Tour d'Italie. Donc ça peut être l'opportunité pour Christophe Laporte d'aller tenter d'aller chercher une victoire au sprint sur le Tour de France et d'être le leader au sprint sur le Tour de France. Et pourquoi pas aller chercher un maillot vert. Ça, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Eh bien, je crois que nous avons désormais tout dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!